Nous sommes dans la dernière étape de notre opération de collecte de dons qui a débuté au début mars avec la semaine sociale de RBS Social Week. Nous avons commencé cette opération caritative par la sensibilisation des étudiants de l'UER, puis on a partagé avec eux notre projet et notre but. Aujourd'hui, on a Carrefour Gourmet pour collecter des dons d'argent, de vêtements, de livres et de chaussures pour 700 filles dans la province de Meknès. On a constaté que les gens étaient bien généreux pour apporter de la joie à ces filles dans le monde rural. On a trié et emballé les vêtements qu'on a collectés et on a acheté des trousses d'hygiène avec les dons réunis. Malheureusement, nous avons reçu un coup très dur le 14 avril, la veille du départ. Nous avons perdu une âme très chère, un esprit sain et pur, notre amie, notre sœur Hajar Niem. Elle était plus qu'enthousiaste de participer avec nous dans ce voyage et d'apporter son aide. En son honneur, on a nommé cette opération Niem. Niem restera toujours gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Allah irhamha est désormais dans un autre voyage. Qu'Allah ait son âme. We arrived for the first step of our trip to meet young ladies living in Dar Taliba, Ait Erma. They were between 13 and 18 years old, with 54 beneficiaries. They were happy and curious to meet us. On est venu vers les environs de Meknès. On a donné les dons qu'on a collectés aux étudiantes de Dar Taliba, la maison des étudiantes. C'était sympathique, on s'est bien amusé. On a partagé quelques épisodes de notre vie. Ça s'est bien passé, on espère la refaire l'année prochaine, inch'Allah, avec un plus grand succès. After that, we went to Nizlat Demar, where we distributed 89 packages. We took time to listen to them and to talk to them, and we get to know that they have such a really good grades. Je remercie au nom de toute l'équipe administrative de RBS tous les étudiants qui ont participé à cette opération, qui ont été impliqués, qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et ils l'ont fait par amour. Ça m'a fait grand plaisir de participer à cette occasion, à cette expérience.